Une chose intrigue les observateurs étrangers. Vous quittez très rarement votre pays, la Guinée. Autant que je sois informé, vous avez fait une seule visite à l'extérieur depuis 1967. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord sur ce point? Je me demande pourquoi se préoccupe-t-on de cela? Le président Mao, combien de fois il a quitté la Chine? Pour autant, est-ce que la Chine est malade? Le président Nixon, combien de fois depuis qu'il est au pouvoir, il a quitté? Et chaque président européen, Le combien de fois chaque président en Europe a quitté son pays? La révolution dont nous parlons, c'est en Guinée. Et c'est ici où elle doit être menée. L'essentiel de la lutte, c'est en Guinée. Et même les adversités extérieures que toutes les puissances impérialistes se braquent contre la Guinée, si le peuple guinéen reste organisé, conscient de ses responsabilités, résolu à défendre ses acquis, aucune puissance impérialiste n'aura raison de la Guinée. Voilà la vérité historique. On doit s'étonner que je ne sois pas en Guinée, que je sois plutôt comme certains présidents tout le temps à Paris, à Londres, en train de me reposer ou en train de danser. Nous avons du travail et nous ne perdrons pas une minute qui est utile au développement de l'action révolutionnaire. Voyager à l'étranger ne veut pas toujours dire se reposer, c'est maintenir, ouvrir des contacts. Voyager pourquoi? Nous avons fait tous les pays du monde. Les 3 premières années de l'indépendance nous ont permis de visiter presque tous les pays en rapport avec. Et qu'est-ce que nous cherchons en plus? Et nous sommes le pays africain qui compte plus d'ambassades étrangères. Cela explique bien l'élargissement des rapports diplomatiques qu'entretient la Guinée avec le monde extérieur. Bien qu'on parle toujours en France de l'isolement de la Guinée. La Guinée a plus d'ambassades que le Sénégal, que la Côte d'Ivoire, que chacun des pays coopérant avec la France. Vous pouvez en faire le contrôle. Vous avez à plusieurs reprises dans le passé dénoncé la cinquième colonne qui opérait à l'intérieur de la Guinée. Est-ce que vous pensez que cette cinquième colonne est toujours active dans votre pays? Et est-ce que ce n'est pas l'existence de cette cinquième colonne qui vous Oui. inciterait à rester ici pour ne pas Comment? qu'elle... Alors, si j'avais peur de la cinquième colonne, je ne restais pas en Guinée puisqu'elle est en Guinée. Non, mais parce que Je serais parti à Paris me réfugier tranquillement. Mais vous pourriez craindre que Oui. les éléments de subversion qui travaillent contre vous pourraient profiter de votre absence. Profiter comment? Le peuple guinéen est armé. Quel est le seul pays au monde dont le peuple est armé? Dites-le-moi. Vous avez vu quand même l'agression. 14 ministres avaient trahi. 32 000 dollars avaient été distribués. 32 millions de dollars avaient été distribués. La plupart.